gens, c'est l'Ozologue, j'espère que vous allez bien écouter. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du Skyblog, donc sur French Sky. Voilà, l'IP est en description. Pour les intéressés, d'ailleurs, je suis sur le serveur Gamma. Voilà, si vous demandez, si vous voulez venir un petit peu, je serai assez souvent co. Donc voilà, je suis sur le Gamma. Alors, donc la dernière fois, vous vous souvenez, je vous avais dit en fin de vidéo qu'on allait déjà commencer un petit peu à agrandir tout ça. Alors là, j'ai déjà bien rempli tout ça. Mais il faut savoir qu'il est énorme et que ça coûte beaucoup, beaucoup de ressources tout simplement pour agrandir tout ça. Et aussi, ça prend beaucoup de temps parce qu'au total, du coup, ça fait vraiment beaucoup de blocs à placer. Donc du coup, j'ai déjà fait une bonne partie, mais j'ai pas encore tout fini. Et on finira tout une prochaine fois, peut-être dans des épisodes futurs, on avancera un peu à chaque fois. Et on ira jusqu'à un truc terminé qui sera bien sympa. Du coup, on va se lancer dans un thème un petit peu médiéval. C'est pour ça qu'ici, on va aujourd'hui construire une banque. Donc on va appeler ça la banque, mais c'est là-dedans qu'on va stocker tous les petits coffres. Voilà, donc je me suis un petit peu entraîné en solo pour faire des essais un petit peu entre guillemets de banque qu'on pourrait construire. Et donc je suis arrivé à des trucs un petit peu corrects. Donc j'ai un modèle qu'on va construire ici. Et donc je vous en dis pas plus puisqu'on le construira. Et ça reste une surprise, j'ai envie de vous dire, ça reste une surprise. Donc vous le découvrirez par vous-même au fur et à mesure de l'épisode, j'ai envie de dire. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 clés du coffre mystère, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, on va aller au slash spawn pour les ouvrir. Donc ça, c'est grâce à mon grade, j'en ai 3 par jour, donc c'est très très sympa. Et du coup, on va aller ouvrir tout ça, voilà. On s'en achètera aussi peut-être un petit peu pour nous, juste vu qu'il nous reste quand même 500 tokens, donc pourquoi pas faire ça, hein, ça peut se tenter, donc on verra bien. Bref, on va les utiliser, ces clés, on va arrêter de parler. Attention, première clé. Donc première clé, on a gagné des bottes légendaires. Bon, on en a déjà, je vais aussi en profiter pour baisser un petit peu mon son. Mais c'est bon, c'est toujours un truc en plus parce qu'elles s'usent quand même assez vite. Donc c'est toujours bien d'en avoir, mais bon, je veux dire, c'est pas ce qui va vraiment nous révolutionner notre vie, donc c'est pas non plus ouf. Ensuite, du coup, on va switcher, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Cette fois-ci, oh. Oui, c'est pas mal, hein. 100 000 French coins, je suis partant. Ouais, non, ça c'est bien, clairement, ouais, bon, après les 1 million qu'on avait eu la dernière fois, je suis plus si étonné que ça, mais non, franchement, c'est très très bien, ça nous permet de nous rattraper un petit peu notre économie, donc c'est très très bien quand même, donc voilà, ça c'est good. Et attention, dernier, qu'est-ce qu'on peut avoir? Du sable, bon, plutôt sympathique, on va quand même faire un petit slash sky, on va s'acheter 2-3 tokens, écoutez, c'est toujours sympathique. Qu'est-ce qu'on se prend? On se prend 10 clés ou on se prend moins de clés? On va se prendre 10 clés, allez hop, on est fou. Hop, et aujourd'hui on va en ouvrir 5. Allez, voilà, comme ça on ouvre les prochaines dans un prochain épisode, comme ça voilà. Donc une tête de Wither, hop, on va switcher, attention. Des blocs d'os, attention, next. Des pierres, bon, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des blocs d'os encore. Et en dernier, des os, ouais, bon. Au pire, j'ai envie de vous dire, on peut peut-être faire les 5 aujourd'hui aussi, parce que là, c'est un peu de la merde quand même, ce qu'on a eu. On a eu vraiment beaucoup de blocs d'os, de la clay, ouais, bon, c'est pas dégueu, de la pierre, encore une fois, ça commence à faire beaucoup de pierres. Une houe, ah, ça, je suis partant, ça, c'est pas mal, là, ça, c'est pas dégueu. Ah, de la lumière de l'océan, ça, j'aime bien, ça c'est déjà mieux. Et du charbon, bon, c'était pas ouf, ces 10 dernières clés, mais bon, c'est pas grave, on repart quand même avec 100 000 French coins et tout ça. Donc on est loin de pouvoir s'en plaindre. Alors par contre, on va avoir un petit problème, c'est qu'il y a beaucoup de mobs, hein. Je pense que vous l'aurez remarqué. Il y a pas mal de mobs, du coup ce qu'on va faire, c'est que bah, on va attendre tout simplement la venue du soleil, le retour du jour, donc pour commencer à build, et puis bah, je vous retrouve une fois que ça s'est produit. Et voilà, relais gens, donc ça a pris un temps fou, mais le soleil est de retour, donc on va pouvoir un petit peu commencer la construction. Donc d'abord, on va aller tout simplement acheter des matériaux sur le shop, parce qu'on va avoir besoin quand même de beaucoup de choses. Donc là, j'ai déjà converti la roche qu'on avait donc en pierre taillée, et j'ai un petit peu vidé mon inventaire pendant la nuit. Mais du coup, on aura quand même pas mal de choses à faire, donc on va regarder juste vite fait s'il n'y a pas déjà 2-3 items dont on aura besoin, je ne sais pas. Donc ce dont on aura besoin, d'ailleurs je vais vous le dire, hein. Donc ce sera de roches taillées principalement, de vitres, de laine et aussi de briques, un peu de glowstone pour la lumière, et également de bois donc pour faire un petit peu tout ce qui est, pour faire un petit peu donc tout ce qui est les coffres et tout ça évidemment. Alors de la glowstone, ça c'est bien, on en a, donc comme ça pas besoin d'en acheter, mais sinon le reste je pense qu'on va aller se l'acheter, donc go slash sky, hop. Alors dans le shop on va se prendre donc déjà beaucoup de roches taillées, donc ça on verra un petit peu plus tard. Hop, on va s'acheter donc des blocs de verre pour faire de la vitre. Hop, on va s'acheter de la laine, donc il en faudra quand même un petit peu, j'en prends, voilà, les 3 stacks, on va être généreux. On va s'acheter des briques aussi, donc j'achète par 64, hein, parce qu'on en aura quand même besoin de beaucoup.
Voilà, et on va aller dans le minerai. Hop, on va acheter de la roche taillée en masse par contre. Voilà, toc 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 toc. Ça devrait être plutôt bon. Maintenant, on va juste crafter des petites vitres. Voilà, et ça, bon, le reste sont bons. Donc, comment on va faire? Il y a beaucoup de mobs, hein. Il y a encore beaucoup de mobs. Hop, alors le petit squelette, il va mourir tout simplement. Voilà, c'est super. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup trop de mobs. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on trouvera bien un moyen de s'en débarrasser, je veux dire. Hop. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va construire notre banque vers ici à peu près. Et puis après, on fera des petits chemins en gravier et tout ça. On va vraiment faire un truc un petit peu dans le thème médiéval. Bon, pas trop non plus, mais quand même pas mal dans cet esprit-là. Voilà, on va faire un petit coin sympa. Bon, après là, vous voyez bien que c'est plat, c'est pas très très beau. Quand c'est tout plat de terre, mais après on va trouver un moyen un petit peu tout simplement de donner du relief et tout ça. On va faire peut-être une montagne ou quoi, ça peut être drôle, il y a moyen vraiment de faire beaucoup de choses. On va commencer par la construction de la base un petit peu de notre banque. Donc bon, c'est rien de bien spécial, mais c'est juste 2-3 trucs à faire, voilà. Hop, donc là derrière, j'avais prévu de mettre de la laine comme ceci, voilà, c'était ça. Que je me remémore un petit peu parce que ça faisait longtemps déjà que je l'avais fait. Hop. Par contre, il y a beaucoup de creepers, c'est un peu chiant. Voilà, tu vas mourir. Oui, ça picote. Hop, attention, voilà, super. C'est chiant de taper avec la hache, mais ça fait plus de dégâts. Hop, faut reculer. On revient, on recule, on revient, et voilà. Hop, ça dégage. Est-ce qu'il reste des creepers? Non, c'est bon. Bon, l'Enderman, on va pas trop faire attention, puis voilà. Ok, donc on va continuer tout simplement ce qu'on avait déjà fait, hop, sur les côtés, voilà. Et encore une dernière fois, hop, on va juste casser ça, et voilà, c'est parfait. Du coup, là, on a déjà un premier côté, le deuxième côté, donc c'était comme ceci, voilà. Hop, donc ça va nous permettre déjà d'avoir une base un petit peu toute minime, hein. C'est pas encore grand-chose. Mais déjà un petit aperçu, disons, de ce qui va y avoir à la fin. Hop. On va déjà placer donc les vitraux qui se situent là-dessus. Hop. Voilà, donc rien de bien compliqué, hein. Vraiment, ça reste quand même dans le tout simple. Hop. On va monter ici. Hop, hop, hop. Et ça va être très bien. Voilà. Donc déjà ça va être le côté gauche de la banque. Donc ça va être quelque chose d'assez soft, de très petit aussi. Vraiment, on va pas faire quelque chose de grand là-dessus. Par contre, ici, on va vraiment faire quelque chose d'un petit peu plus massif, disons. Donc là-dessus, on va déjà s'agrandir beaucoup plus. Hop, je vais casser juste ça. Et donc, bah écoutez, on va tout simplement commencer ça. Voilà. Donc, hop. Donc, si je me souviens bien de ce que j'avais fait, c'était à peu près comme ça. Et ça continue pendant un petit peu de temps, jusque là au moins. Voilà. Hop. Et on va ensuite tout simplement stocker les coffres là-dedans. Écoutez, il n'y a pas 36 000 solutions. Hop. On va réglisser tout ça. Voilà. Hop. Ici, on ferme bien comme il faut. Oups. J'ai un petit peu gaffé là. Hop là, voilà. Parfait. Et on va venir terminer tout ça. Hop là. Du coup, on commence à obtenir quelque chose d'assez clean. Voilà. Donc ça va être à peu près cet ordre de taille, la banque qu'on est en train de faire. Voilà, on va rehausser jusqu'ici, donc là on va faire des mini trucs de rehaussement encore une fois. Et ce sera déjà très très bien, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que moi je vais un petit peu avancer la banque vraiment rapidement, et puis après je vous retrouve une fois que j'aurai un petit peu terminé tout ça. Ok, les gens, voilà, donc j'ai fini la banque, voilà, ça a pris beaucoup de temps, donc elle se trouve juste derrière, donc là où on regarde. Donc attention, 3, 2, 1, et voilà la banque, donc que j'ai pris longtemps à construire. Donc vous, c'était l'histoire d'un laps de temps, mais moi c'était beaucoup plus long, hein, donc pour construire tout ça. Bon, j'ai pas encore tout aménagé, j'ai pas encore mis de coffre, etc. Mais bon, je trouve que ça a un rendu plutôt clean, donc j'ai modifié 2-3 plans en cours de construction, parce que je trouve que ça rendrait mieux comme ça. Mais du coup, on obtient ça. Alors, on va juste terminer le toit. J'avais pas remarqué que j'avais pas fini. Bah écoutez, on va le faire ensemble. Ça, c'est pas un très très grand projet à terminer. Hop, on va juste couvrir ça de petites dalles en briques. Je vais d'ailleurs me slash fit parce que là, niveau nourriture, on était un peu au plus bas possible. Mais c'est bon, on a tout récupéré. Hop,
On va bien terminer tout ça et on y est presque. Voilà. Donc pour l'instant, les mobs vont pouvoir rentrer dedans. Bon, ça c'est un petit problème, mais bon, bientôt, quand on aura fini un petit peu notre île, on va tout éclairer, du moins ici, afin qu'il puisse pas y avoir de mobs qui puissent tout simplement se balader. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un mode, je crois que c'était ça, genre j'ai transformé la map en mushroom, le biome. Donc apparemment il y aurait plus de mobs qui pourraient spawner, donc on va voir si ça va marcher. Tout à l'heure j'y crois pas trop parce que je sais pas trop si ça marche, mais écoutez, on va bien voir, ça pourrait être vachement utile. Parce que disons que les mobs c'est un peu chiant quand même, donc comme ça au moins ça nous permettrait de nous en débarrasser. Et puis après plus tard, une fois que tout sera bien bien aménagé, bah écoutez, on pourra remettre un biome un peu plus normal afin de pouvoir continuellement s'agrandir. Donc du coup ouais, c'était un petit peu le principal thème de cet épisode, cette fameuse banque. Donc là vraiment, moi je trouve qu'il y a un rendu clean, donc écoutez, on va tout simplement s'empresser de faire les coffres. Voilà, on va avoir besoin de bois, donc écoutez, la sky, hop, on va s'acheter un petit peu de bois. Qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est où ça? Est-ce qu'on achète le bois s'il vous plaît? J'en ai jamais acheté ici d'ailleurs, c'est assez bizarre. Peut-être qu'on peut pas en acheter du bois, hein, c'est possible. On va regarder. J'ai pas l'impression. Non, bon tant pis, écoutez, on doit avoir encore 2-3 réserves, de toute façon, puis au pire on va en miner par nous-mêmes, écoutez, j'ai envie de vous dire. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? On a 16 boîtes de sapin déjà. Et c'est à peu près tout. Il y en a 6 coffres déjà, ouais, bon, ça va faire à peu près vite fait l'affaire déjà. Hop, on va se crafter que des coffres, voilà. Donc ça m'a l'air de marcher l'histoire, hein, parce qu'il n'y a pas de mob qui spawn, écoutez, tant mieux. Du coup, hop. Donc voilà, j'ai fait un truc vite fait pour qu'on puisse placer quelques doubles coffres quand même. Parce que bon, disons que le but d'une banque quand même, c'est qu'on puisse en stocker un max, puis après on va en stocker sur les côtés ici. Et ici, comme ça, on pourra vraiment en bénéficier un max. Donc ça va être un petit peu bordélique, mais bon, écoutez, au moins, on aura beaucoup de coffres. Voilà. Bref, du coup, les gens, je pense qu'on va, se laisser là-dessus un petit peu pour cet épisode, parce que c'était un peu ce qu'on devait faire dans cet épisode, et donc je pense qu'on a bien accompli la tâche, voilà. Bon, il nous manque juste un peu de bois et tout ça, et puis on va encore agrandir l'île. Donc je vous retrouverai au prochain épisode avec une île agrandie et une banque qui sera encore améliorée avec tout simplement le stuff qui sera déjà déplacé dans les coffres, parce que pour l'instant c'est un bordel. La prochaine fois peut-être on va s'occuper un petit peu de faire des grands champs. Si on pouvait avoir une agriculture, ce serait vraiment quelque chose de bien. Ça pourrait peut-être même nous permettre un petit peu soit de nous générer de la nourriture, soit tout simplement même de nous générer tout simplement des French coins, donc ça peut être mal. On va d'ailleurs regarder un petit peu ce qu'on a comme challenge. Hop, je sais. Donc on a 2-3 challenges qui nous demandent de l'agriculture, par exemple les carottes, voilà. Donc ça c'est 230 French coins pour 64 carottes, donc ça pourrait se tenter. Les patates aussi qui se vendent. Donc voilà, hein, ça, tout peut se tenter, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc on pourra voir un petit peu ça plus tard. On a les pastèques aussi qui se vendent, voilà, qui se vendent quand même pas mal. Donc ouais, il y a moyen de faire son petit business là-dessus. Écoutez, on étudierait ça plus en détail un petit peu la prochaine fois. Et donc du coup, moi les gens, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux ou sur Skype même. Ça m'aiderait vraiment et ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous invite aussi à venir sur le serveur, donc l'IP c'est frenchsky.net. Voilà, je suis sur le gamin, je le rappelle. Et puis du coup elle sera en description, c'est en 1.11 pour ce que vous voulez, hein, voilà. Et puis c'est à peu près tout, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. C'était Léo, ciao ciao.